les gens, c'est Drag Survie aujourd'hui. On se retrouve sur H2 aujourd'hui pour mercredi, mardi. Aujourd'hui, on se retrouve en mode rage. On va aller démonter le boss. Donc aujourd'hui, grande vidéo, je pense. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre la cloche. Donc, bon, je couperai peut-être 2-3 trucs au montage parce que clairement, ça me servira peut-être à rien. Je sais pas si on va rester tout le temps au même endroit. Je sais pas s'il va y avoir tout le temps de l'action ou quoi que ce soit. Dites-le moi en commentaire si ça a été plutôt pas mal, si vous voulez plus de conseils sur ce jeu ou quoi que ce soit. Si la vidéo n'est pas trop longue, je vous montrerai les véhicules que j'ai récupérés, comment comment j'ai pu les récupérer. Niveau 7 ouais, ok. J'avais pas remarqué ça, moi. Je les avais pas vus, les machines, là. Bon, ouais. Alors, on va s'occuper déjà des sentinelles. Pourquoi j'ai le canon, moi? Ah ouais, bah à deux, c'est facile. Et j'ai pas l'impression qu'on puisse les casser, ceux-là. Parce que normalement, on peut les péter, mais j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression qu'on peut les exploser. Bon, on va passer en force. Pas grave. Par contre... Waouh, 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 waouh. Bah attendez, c'est quoi ce bordel? Pourquoi il y en a autant? S'il faut pas... Ouais, bah alors là... Niveau 7, mais... Putain, puis j'ai pas de truc de guérison, moi, comme... Je me suis dit, oh bah je vais arriver, ça va être tranquille, ouais. T'es sérieux? Attends, mais il y a combien de phases avec cela? Surtout qu'il n'y a pas de marqué de... Il n'y a pas marqué... Oh la vache. Ah, par contre, si ça commence comme ça, la vache, je m'étais dit, bah, on va y aller tranquillou. Que le départ, ça va être un peu plus tranquille, mais si c'est comme ça... Wow, la vache, je viens de me prendre une claque là. Non, il y a 3 phases. Bah attends, mais c'est niveau 7, quoi. Ils sont pas sérieux. Et puis en plus, on voit même pas les niveaux. Mais on voit pas les niveaux. Tu... Attends, mais comment on fait pour passer? Super, la vidéo commence bien. C'est surtout que j'ai pas de truc de guérison en fait, c'est ça le plus chiant. T'es sérieux, faut vraiment exploser les 4 tourelles là?
C'est peut-être pour ça que... Ah mais là il va y avoir un sou... Quoi ce mur là? Le mur invisible là. Sérieux, mais il y a un mur invisible. Est-ce que je peux rappeler la voiture au moins, tout bonnement? Impossible de faire venir la voiture. Mais t'es sérieux, la voiture elle est coincée, guignol. T'es sérieux, je vais me faire allumer là. Là, mais c'est injuste ça. Ils n'auraient pas pu prévenir qu'il y avait quatre machins là sur sur tes avant-gardes là. Putain. Putain, t'arrives au machin tranquillou. Me voilà, Ranger. Je vais lui exploser la gueule aux tourelles. Bah, je leur ai exposé la gueule. Ouais. Si les. T'es sérieux là? C'est quoi ce bordel là? Bah ouais, non mais c'est quoi cette embrouille là? Pourquoi les missiles sont partis sur le côté là? Oh bah oui, bah super, merci pour le bug. Ah ouais. Comment baiser la tourelle? En se mettant sur un bord qu'elle peut pas avoir. À part peut-être pour ça. Celle-là que je veux, c'est pas l'autre. Ah, ça glisse! Alice, ça glisse au pays. Non, 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 non. Putain, mais c'est quoi cette embrouille, quoi? Il te fout 4 tourelles! Déjà, une tourelle niveau 10, c'est déjà casse-couille! Surtout qu'en plus de ça, il n'y a même pas de coin pour se protéger! Et en plus de ça, avec la voiture, tu peux pas tirer! Ça fait peu de dégâts sur une tourelle, c'est ça le problème dans ce jeu. C'est que quand ils ont créé le jeu, ils se sont dit tiens, on va se faire chier, on va mettre une voiture avec plein d'armes, mais on va pas faire, on va faire peu de dégâts. Putain, sans déconner, on a des mitraillettes, on a une arme lourde, on a un mortier avec 3 balles, super merci Marcel. Putain. Je sais même pas si avec le mortier je peux faire des dégâts avec... Ah non, tu parles. Ah voilà, mais c'est n'importe quoi. Puis là, avec leur laser de merde, là. Puis lui, il a pas encore tiré. Non mais tu veux gérer comment, là, ton bordel, là? C'est impossible. Un pilote avec son rayon de pédale. Regardez-moi ça. Ça y est. J'ai mis en mode mitraillette quoi. Parce que même avec le lance-roquette, même avec le lance-roquette, c'est ingérable. Et quand je dis ingérable, c'est ingérable. Le truc, ils font peu de dégâts.
Sérieux, j'ai plus de balles? Sérieux, j'ai plus de balles là. Oh, je suis à 15 km là, oh, faut pas se... Sérieusement là. C'est ingérable, c'est... Mais tu vas crever, putain de tourelle! Mais sans déconner, oh! J'ai pu... Si j'ai des balles. Ah putain. Je suis pas encore debout là. Je voudrais bien ça. Je voudrais bien savoir combien je lui fais de dégâts quand même. Ouh, bah putain, mon dieu. Hein. Intérêt de valoir le coup, hein, leur truc là. Parce que si je peux pas rentrer. Putain, le truc c'est qu'ils préviennent même pas. Ils diraient voilà, il y a ça, il y a ça. Mais bon, c'est un jeu aussi. Hein. Mais le truc, c'est que là, 4 tourelles, déjà une tourelle de niveau 10, c'est déjà casse-couille. Alors, s'introduire, ouais, ok. Comment on fait pour s'introduire? Comment on fait pour s'introduire? J'imagine qu'ils vont pas nous laisser passer par la porte d'entrée. C'est très... ça serait trop demandé. J'avais oublié que j'avais plus de balles. Ouais. Je suis bien au bon endroit, bah oui. Par là, c'est pas possible, c'est trop raide. Tu veux oublier un truc ou quoi, moi? Ça devrait s'abaisser, j'imagine, ça. J'aime bien, il tire sur un truc, mais sur quoi? Maintenant, il tire sur les tourelles.
par là. Il y a un pont. Ok, il y a une barrière. Mais non. Arrêtez de me faire les trucs à la glissade, là, ça suffit. Putain, mais il n'y a même pas un indice, quoi. S'introduire, d'accord, faut s'introduire, mais faut passer par où? Faut passer par en haut, faut passer par en bas, faut... Il n'y a même pas d'indice. Ellipse, et on se retrouve juste après, parce que... Re les gens. Donc ça y est, j'ai trouvé, en fait, il fallait juste que je prenne le char. Donc, voilà. Donc il fallait juste que j'utilise le char en fait. Et normalement, avec le char, j'aurais même pas dû passer avec... J'aurais dû passer les tourelles. Donc ça veut dire que je me suis occupé des 4 tourelles pour que dalle. Donc bon, c'est un peu plus lent que je pensais. Si, toi. Ah. What? What? Ouais. OK. Bon, là, ça va être les parties les plus ennuyantes, vu que ça va discuter, apparemment. Donc, je couperai peut-être au montage, je sais pas trop. Surtout qu'en plus de ça, on a perdu, quoi, 5-10 minutes au départ. Donc, peut-être que je mettrai pas le début, donc... Oh, d'accord, ok. Autant que le char avance tout seul.
je le sens mal quand même. Il y a des passages, je le sens mal. Ah bah ouais, tiens. What? Ouais. Bah ouais, mais c'est trop compliqué. Si tu peux pas récupérer de la vie, le char normalement on dit au départ le char il me disait ouais le char il est complètement indestructible machin. Ah ça va, on commence quand même. On commence pas non plus de zéro, ça par contre ça c'est sympa. Parce que bon. Mais c'est... Attends, c'est des mitraillettes qu'ils ont sur le dos ou c'est des lance-roquettes? Parce que clairement, un char, hein? Putain, aussitôt mis dedans, aussitôt détruit. Et alors? Mais ils sont où ah, j'ai l'impression qu'il faut pas perdre le char hein. Oh ça a l'air chiant. Sérieux là? Je suis buggé? Je suis coincé, les gars. Comment ça se déroule là? Pourquoi ils m'ont fait spawn comme ça? Ah ouais, non mais... Si, t'es coincé, mais putain. Alors ça, entre ça... Et puis comme je vous avais dit dans une vidéo, je me suis fait un verre... Mais... Mais il y a un souci là, c'est pas possible. Il y a un gros souci. T'es coincé avec le char, tu veux faire quoi? Qui me tire dessus là. Sérieusement Putain.
crever. Putain, mais sérieux, c'est quoi ces bestioles, quoi? Ok, alors là, ceux-là, c'est des nouvelles espèces. Où j'ai juste pas fait attention quand je les battais. Ok, j'ai l'impression que c'est faut continuer à pied. Ta gueule. Par contre, on va être emmerdé si on est coincé. Redescends, bizarre. Alors attendez, parce que je peux passer par là. Tout ça pour passer au même endroit. J'aurais peut-être pu passer derrière eux. Ah. Un kit de soins. L'autorité, ouais, l'autorité, on leur met un gros caca dans le nez. Voilà. Putain, mais. La gueule, quoi. Putain, mais ouais, mais il passe derrière toi aussi, sans déconner. Eh mince. Ah, c'est chiant, hein. Voilà. Putain, mais ils en ont envoyé encore combien? Sérieux là? Vous m'avez pris pour un bleu ou quoi là les gars? Sérieusement, ils m'ont pris pour un bleu. Putain, mais en plus si on a on peut même pas récupérer quoi que ce soit. Ah non, pas lui.
Genre t'es pas emmerdeur toi, te mettre en hauteur. Tout. On prend. C'est quoi ça? Cartouche de hyper canon. Pardon. Alors attendez, on va recharger. Non, c'est bon, il est rechargé. Allez, c'est parti. Ouais, bien sûr. Pico encore, t'y as cru ou quoi? J'aime pas les salles des trophées en plus, alors bon. À part sur Minecraft, c'est pas... Let's go. Salut! Eh Moumout! Tu te rappelles? J'ai un canon et pas toi! Oh mais... Dis donc King Kong. T'es un petit rigolo toi hein. Et tourne ta gueule par là. Voilà, King Kong par terre, King Kong. Ouais, je sais, t'es mort. Bah ouais, mais alors dans ces coups de temps-là, tu les rappelles, tes sentinelles, et j'arrive plus vite. Ah, y a pas de missile de lance-roquette, chiotte. C'est quoi là? Pourquoi c'est fermé là? Bon. J'arrive, Général Tutuk. Ouh la vache. Il est moche lui. Mais tu veux vraiment mieux faire? C'est ton attaque? Celle de Crowley. Le mieux, ce serait peut-être d'utiliser le... Punaise, c'est quoi qui me tire dessus là?
T'as peur? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, des guignols! Je savais bien que ça allait me servir. Boum. On meurt s'il vous plaît. Je suis pas là pour m'amuser moi. Alors, général Prout Prout. On triche, général Prout Prout. Alors, ton mastodon qui fait pas l'effet là, hein? Et en plus, tu fais moins mal qu'une tourelle, du con. C'est quoi ça? Oh. Tant qu'ils me disent pas que vous allez avoir des tourelles sur la tronche. Parce que pendant 5 minutes, j'ai cru qu'on allait avoir des tourelles. Bon, si t'as pas meilleur en stock, là, je vais m'emmerder, moi, général Prout Prout. Faut déjà déglinguer ceux-là. Parce que les vers de terre, là, ils sont gentils, mais ils font pas de dégâts. Enfin, ils font pas de dégâts aussi, ils font des dégâts, mais... Coucou. Il est chiant lui. Pas du genre emmerdeur toi. J'ai trouvé ton point faible. C'est ta tête. J'ai cru que j'allais avoir un peu plus de complications, mais... Mince. Alors, général... On se fait faible ? Shows.
Ah bah voilà, Général Prout Prout par terre. Mais on n'est pas mort, il y a notre amie qui est venue nous chercher. Par contre, elle a pas terré de mourir, elle. Hein, parce que sinon, ça va barder. Tu embrasses pas la caméra, hein. Mon frère, ah merde. Et c'est tout. Bon, bah, c'est tout. Alors, je vais laisser le générique passer et puis on se retrouve juste après parce que peut-être que il y aura peut-être autre chose qui vont nous dévoiler. J'espère juste qu'ils vont pas nous faire un peu à la Zelda où voilà, pouf, hop, tiens, voilà, vous recommencez à ce point-là et en fait c'est une mission qui, voilà, vous voyez le genre qui se continue, qui continue et il faut tout le temps battre le même boss pour faire un truc à la con quoi. Alors j'espère pas. Donc on se retrouve juste après le générique et puis à tout de suite. Alors les gens. Vous voyez, je vous avais dit que ça ne risquait rien. Il lui fallait juste un petit cocktail reprogrammant à base de nanotrix. Moi je dis, vous avez eu du bol. Mais si j'ai pu sauver Walker de la mort, quelqu'un d'autre sauvera peut-être le Cross. Vous avez besoin de moi. Lex, on y va. Bon, apparemment ça se finit bien tout ça. Alors voyons voir ce que... Joue avec ta vie. Le sérum que tu as utilisé pour liquider Cross aurait pu vous tuer tous les deux. Mais il est parvenu à inverser le processus puisque Lily est allée te chercher. Il l'a échappé belle. Lily était sur le point de lui exploser la cervelle, tu sais. Quand tu iras mieux, il y aura beaucoup de travail pour le Ranger de Vineland. Mais pour l'heure, va te reposer un peu. Bon, je vous explique un peu tout depuis le départ, après, une fois que ça soit terminé, comme ça. N'essaie pas de parler. Je reste là. Et quand tu seras rétabli, on aura pas mal de boulot, Ranger. Allez, encore une petite sieste. Pourquoi il fait nuit noire là? Alors pour vous expliquer vite fait, alors déjà au départ on fallait qu'on cherche trois personnes, donc la personne donc on voit au bar là, le gars avec la grande barbe et le vieux pour un projet d'ag où on a récupéré une fiole, un char et de l'ADN donc pour empoisonner Ross. Donc le général Ross qui nous a empoisonné. Donc tout bonnement, pour ceux qui voilà, passeraient la vidéo assez rapidement, je vais vous expliquer en quelques mots. Je suis arrivé, j'ai explosé 4 tourelles qui j'aurais pu complètement ignorer grâce au char. Je suis rentré, j'ai fait pas mal de dégâts
Et voilà, donc au fil du temps, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas du tout. Ok, est-ce que j'ai une mission? Donc, bon, pourquoi il fait aussi noir en fait? C'est bizarre. Pourquoi c'est aussi noir? Pourquoi c'est si noir? C'est noir de chez noir. Bon, je voudrais au moins descendre pour voir si voilà. Alors, par contre, est-ce que j'ai perdu le char? Non, j'ai pas perdu le char qui est toujours là. Donc, je vais vous expliquer un peu comment, vite fait en quelques mots, comment j'ai récupéré tous les véhicules. Donc, les véhicules, vous les récupérez dans chaque zone. Vous pouvez les récupérer sur des méchants et tout ça. Donc, vous pouvez complètement. Voilà. Faut avoir l'atout de débloquer. Il y a un atout exprès qui fait que vous pouvez ramener les véhicules aux zones protégées, donc aux zones principales. Donc comme vous le voyez, j'ai quand même récupéré pas mal de petits véhicules dont, alors on va faire le, donc le Phoenix que vous démarrez avec tout bonnement, le Raptor qui est une moto que vous débloquez grâce au fil du temps des missions en orange. Le S-Red qui est un véhicule volant, mais il faut pas passer au-dessus des ravins. Le Chazar qui est un véhicule de course qui est donné grâce aux missions. À un moment donné, ça va vous le donner. Et voilà, vous avez tout le truc. Et vous avez aussi véhicule des conseillers au combat. Donc voilà, le Xerxer 3, un char de l'autorité qui est plutôt puissant mais très lent. Je n'ai pas encore récupéré le pulvériseur, donc voilà, bon, ça c'est un truc à trouver. Le dévastateur, pareil, c'est un char qui vous récupérez dans une zone. La lame des vents, pareil, à récupérer dans une zone. Rouillé, pareil. Après, c'est une ouais, c'est pareil, c'est à récupérer dans une zone. Boum boum, pareil, un char que vous récupérez dans une zone. Fortique, pareil, zone. Le Monster Truck, pareil, dans une zone. Zone de la zone où vous découvrez le vieux, en fait, qui vous donne le truc. La voiture Cola Kang pour détecter. Donc vous pouvez changer son aspect. Donc c'est plutôt sympa. Le filtre tempête de Bugsker, pareil, vous pouvez changer son filtre, son apparence, clairement. Vous avez le bulldozer, le roll, non, c'est même pas bulldozer, c'est le roll dozer. Le roll dozer. Donc pareil, vous trouvez dans une, alors il y a beaucoup de choses que vous trouverez dans les mêmes zones, surtout le Rock Dozer,
le ça et celui-là aussi. Vous les trouverez voilà, dans une zone. Et alors celui-là c'est pareil, c'est dans une zone, mais il faut que je me rappelle où il est, parce que clairement c'est vous pouvez pas le prendre au gars qui passe dehors. C'est un peu dommage parce que clairement vous aurez pu le récupérer et puis il serait reparti avec et vous l'aurez eu. Et apparemment c'est dans une zone et il faut le récupérer. Et l'explorateur, alors celui-là est très lent, sauf que vous avez plusieurs petites choses à récupérer. Donc c'est pendant une mission que je vous avais peut-être déjà montré. Alors attendez, si Madame la carte veut bien se mettre, s'il vous plaît. Hop. Donc il y a beaucoup. Alors le véhicule, comme je vous ai dit, le monster truck, vous le trouvez là, donc dans cette zone là. Le bulldozer et la voiture avec le mannequin, vous le trouverez là. Vous trouverez aussi, si je me trompe pas, ici les véhicules avec les drapeaux, là, comme je vous disais, avec le tank qui sont orange, vous les trouverez là. Après, les trucs, c'est que c'est complètement aléatoire. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont aléatoires. Il y a beaucoup de trucs à découvrir, tout ça. Donc voilà, c'est quand même pas mal comme jeu. Donc voilà. Par contre, je voudrais voir un truc, vu que j'ai fini le jeu. Non, le drapeau, il est toujours pas débloqué. C'est quoi ce bins? Le drapeau est toujours pas débloqué. Alors, est-ce qu'il faut que je trouve tous les autres véhicules? Je sais pas. Bon. Bon, j'espère que cette vidéo sera pas... si, elle sera longue. Je suis désolé, mais elle sera longue. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre la cloche. Dites-moi en commentaire comment vous l'avez trouvé, la vidéo. Donc, ouais, une vidéo un peu plus longue que d'habitude. Je vous ai quand même évité 2-3 petites choses. Voilà. Donc, à la prochaine les gens, c'est Drac Survie. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos sur ce jeu là. Mais ça m'étonnerait parce que clairement j'ai beaucoup farmé sur ce jeu. Peut-être une fois que j'aurai trouvé la solution comment avoir le drapeau, je vous referai une petite vidéo vite fait, mais pas une vidéo de 15 heures. Donc voilà. Allez, à la prochaine les gens, c'est Drac Survie. Peace.